Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Blender version 2.8. Nous allons voir comment mettre une image en fond, une image modèle. Alors pour cela, rien de plus simple. D'abord, je supprime le carré. Donc, je sélectionne mon carré. En principe, il est déjà sélectionné, hein. Et puis, on appuie sur supprimer. Ou alors, on peut faire clic droit et on fait delete ou X. Si j'appuie sur X, on peut supprimer plusieurs options. Voilà. Après, on appuie sur add. On va dans Images, Background, on sélectionne notre image, moi je l'ai mise sur le bureau, on load Background Image. À ce moment-là, notre image se place en fonction de notre vue. On va bien repositionner cette image, donc pour cela on va cliquer sur la toute petite flèche. Soit on clique sur la flèche, soit on peut également appuyer sur N, qui fait apparaître le menu Transform. On va mettre ici en X 90, en Y et en Z, on met 0. Donc petite astuce, je me mets ici, je clique, je glisse. Et je peux maintenant taper 0 et automatiquement en Y et en Z, j'ai 0. Et voilà, j'ai mon image qui est bien positionnée. On peut gérer facilement l'opacité de cette image. Donc il faut cliquer sur ce petit pictogramme là, Objet Data. Activer Use Alpha et on peut, on a une glissière là, on clique, on glisse pour jouer avec la transparence. Voilà. Là on peut jouer sur la taille, là on peut déplacer sur l'axe des Y. On a des petites options ici. Voilà, là ça permet d'avoir l'image, on la voit des deux côtés. Là on la voit que de face, et là on la voit que de dos. Voilà, bon, il y a d'autres petites options. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.